Barcelone au Mobile World Congress au stand de LG. Et donc il y a une petite imprimante assez sympathique qu'on va vous présenter. Donc je suis avec Philippe Lannes, qui est donc directeur marketing pour LG Mobile France, et qui va nous présenter donc cette imprimante qui s'appelle d'ailleurs, c'est Pocket Photo 7, c'est ça? Absolument, c'est une imprimante Pocket Photo, donc c'est une petite imprimante de poche. D'accord. Qui a une batterie intégrée. D'accord, donc pas besoin de charge en fait. Pas besoin de charge. Vous avez 3 heures d'autonomie. D'accord. Vous pouvez mettre une dizaine de feuilles papier photo à l'intérieur. Le papier photo se met, d'accord, on le voilà, charge dedans. Vous le chargez ici, vous mettez une dizaine de feuilles. D'accord. C'est vendu par ailleurs par bloc de 30 papiers, et ça coûte 15 euros le bloc de 30. C'est une imprimante qui fonctionne en sublimation thermique, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de changer le... Il y a pas de cartouche en fait. La cartouche à l'intérieur, c'est absolument. Vrai, donc le principe de cette imprimante, c'est qu'elle est NFC. Ce téléphone, donc, c'est le LG Optimus G qui est également NFC. Je viens de prendre une photo, je vais juste le poser sur... Donc je sélectionne, voilà. Il y a une application à installer en fait. Exactement. Ça reconnaît. Il va nous dire qu'il reconnaît, c'est ça? Okay. C'est l'effet démo, ça. Hein. C'est l'effet démo. Je sais pas qu'on veut montrer, ça marche pas. Mais ça marche pas parce que si vous regardez, il y a plein de photos qui ont été faites dans toute la journée ici. Voilà. Ok. Voilà. Hop. On le pose. Vous voyez, ça charge. Donc ça l'envoie à l'imprimante. D'accord, il est en train de l'envoyer. Donc là, on est en temps réel. Oui, et là, on fait la démo comme ça se produisait. Voilà, donc on est de téléphone et sur la petite imprimante. Voilà. La transmission vient d'être faite. Il est en train d'imprimer. Et là, c'est en train d'imprimer. Donc il faut compter une quinzaine de secondes à peu près pour... Ce qui reste quand même assez rapide. Donc on a dit l'imprimante contient 30 feuilles, c'est ça? L'imprimante contient 10 feuilles. 10 feuilles. Mais par contre c'est vendu par bloc de 30. D'accord, donc on va mettre 10 feuilles, ça permet de partir avec. Absolument. Et c'est un produit donc qui va être disponible en France à partir de fin avril. Sur un prix indicatif de l'ordre de 179 euros. D'accord, voilà, tout en train de sortir. Et donc, c'est assez rapide. Et donc là, on a un très beau souvenir du stand LG au Mobile World Congress. D'accord. Donc, vu que c'est de la sublimation, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, et pas du jet d'ordre. Absolument. D'accord. Ça va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier. Donc alors, et donc ça marche notamment avec le LG Optimus G qui est NFC, mais ça peut marcher aussi, il y a un autre produit qui est NFC, il y a le Optimus F5 par exemple. Bien évidemment, vous avez juste, comme on peut le voir, à télécharger au préalable la petite application Pocket Photo donc là pour le CES. Bien évidemment, c'est une application gratuite, et après ça vous permet d'avoir une connexion juste au contact. D'accord. Entre votre téléphone, votre smartphone et la Pocket Photo. Donc ça marchera même avec la Pocket smartphone Android NFC qui peut recevoir l'application. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Philippe. On va juste rappeler donc disponibilité et prix. Donc ce produit qui s'appelle LG Pocket Photo, cette imprimante, c'est ça? Absolument. Donc disponibilité au mois d'avril sur un prix indicatif de 179 euros. D'accord. Merci beaucoup Philippe pour la présentation de imprimante de poche thermique Pocket Photo. Si vous voulez en savoir plus, j'invite à nous retrouver sur GPS.co, www.gpsindco.com. Pardon, il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS&Co. On a plein de nouveautés, de vidéos et de tests qui arrivent régulièrement, notamment depuis Barcelone et le Mobile World Congress. Merci et à bientôt.